Ah, c'est ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs congolais, RDC, Bandeko. Bandeko, on a perçu une beauté. Moi, comme toujours, comme. Nous sommes très mal barrés. Nous, les Congolais à RDC, nous sommes très mal barrés. Nous avons la politique Oyo. Nous sommes très mal barrés. Nous sommes fatigués moralement. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués parce que pourquoi vie m'a amené à mon amboka. Il n'y a pas d'espoir vraiment que on va trouver quelque chose de bien. Oyo Bix a payé Nabiso. Là, je vous dis sincèrement, Bandekoa, l'indicateur nous a indiqué rouge, 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 il n'y a rien de bon qui va sortir. Donc, moi, je vais vous dire, et on va regretter plus tard, sérieusement. Donc, on va regretter ma casse. Nous sommes très mal barrés. Hein. Tu as mal barré, Bandekoa. Tu as mal barré. Quand tu as mal barré, tu as une position, une posture. Il y a ma B. Il y a ma B vraiment. Il y a ma B souka. On est vraiment très mal barré. Mais il y a un jour, comme on a la situation, tout ça, mais on est là, on est arrivé. Tout le monde, quel soit ce peuple, il y a mon corps. Tout le monde, les politiciens, tout le monde, la façon dont on réagit, on se comporte, ça sent mauvais vraiment. Ça sent mauvais pour la pays Nabiso. Ça sent très mauvais pour la pays Nabiso. Donc, déjà que. Situation en boca, tu dois vivre maintenant, Maratro. Maratro, bande. Ma politicien m'a envoyé ça là. N'a habité ce bas là pour nous trouver solution pour les terrains en boca, pour les mises à moi dans mon kia. Ou bien pour bas là, on peut n'a pas de terrain à bango. Et je vais balancer. Et je vais balancer soutien pour Joshua Félix. Compliqué de m'en bas ça là. Ça n'a plus même pas de sens. Ça n'a plus de sens, mané. Moi, je pense que je suis un peu plus de temps. Donc, père de moi, je suis un blague carabon. Je suis un blague carabon. Ça fait pitié. Hein? Ça fait vraiment. Et ça, la passe, ça fait pitié pour nous, les Congolais. Hein? Moi, on n'arrive pas à trouver la solution pour notre pays, le Congo. Et je ne sais pas si on va trouver la solution. Je ne crois plus vraiment. J'ai plus vraiment l'espoir que nous allons trouver la solution pour sauver ce pays-là. Je ne sais plus. Bolimbisa, ballon d'air à moi. Et ça, les politiciens, surtout les politiciens, ne vont pas réagir. Na ébitien, et comme nous avons le Kambo, chacun pour soi. Mi bounela, au moins clair pour l'avenir, na yo, na banana. C'est que moi je comprends. C'est la même plus question que Tobunda. Pour résoudre les problèmes de notre pays. Logiquement, si vraiment la Tunisie soit une intention à Malam, ça demande quoi? Ça demande que limiter à nous les peuples congolais, tout ça, on est sur le binon. Mindele, vous n'avez pas continué à nous faire ce que vous êtes en train de faire maintenant. Il n'y a que ça à faire. Qu'on se mette tous d'accord, sur les congolais, tous se mettre ensemble. Tu as mis si bateau, bazar, utiliser, payer sur la baby, non? Arrêtez d'envoyer ces pays-là pour venir nous tuer. Si vous avez besoin de venir exploiter nos minéraux, vous voyez, dans un format correct, normal, on peut discuter tranquillement, on va trouver la solution. Mais non. Le ballon, mon fils. Hein? On est mal barré, Bandeko Nangai. Et ça, la passe. Vous voyez, la situation est vraiment mon boulot. Quand je dis mon boulot, c'est compliqué, mystique. Mais. Bah, nous sommes à l'effort qu'il y a un jour qui est en et disparaître et le Congo et comme à payer à tout moussou. Bah, et bah, ils vont payer de plusieurs façons. Ceux qui vont en foutre en côté, mais bah, là, ils vont subir. Les camions sont en motilico, bah, et bah, ils ont la réponse là. Bah, nous sommes en mindé le bon monde à mindé le bah, ça m'a mis pour la bêtise à bango. Que soit ça ici, là où nous sommes. Là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes congolais, nous sommes à côté. Il faut que nous nous débarrassions de la bise. Il faut que l'injustice soit à l'île. Et c'est à niveau de jugement. Mais non.
Vous voyez ma grand-mère n'a blague, hein? Les bossa na n'a blague, boti ka pays et kende ka n'a kende. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais boy ba un jour, vous allez payer. Bah comme je vous dis sincèrement, payer na biso ça ne va pas. Ça ne va pas pour notre pays. Ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment. Ils ont mawa makasi. Hein? Ils ont ma mina ma moto vivre na ta Congo, ça la mawa. Na zo ba une nga kolo baté. Pour ça li kamoya biso nyo, ça li kama mutu mo souté. Biso nyo so, to zo mona oyo salam. Mais to regretter un plus tard. To ko regretter vraiment, to regretter makasi. Moi j'ai la mouké bandeko. Le petit réclame un peu, hein, que je m'occupe de lui, mais il veut faire. Petit, tu veux jouer, je vais te donner le ballon. Ça fait chaud. Attends. Allez, attends. Le ballon, je vais te donner le ballon. Je vais te donner le ballon. Allez. Oui, oui, je vois. Je vais enlever ça. Attends, petit, hein. On enlève d'abord ça, il fait chaud dans la voiture, t'es pas sorti dehors. On enlève d'abord ça. Di. Attends, petit. Attends. Allez, René, c'est bon. Là, tu respires déjà. Il fait moins chaud déjà. Bah, ne vous pas accorder quelques secondes, hein. Je m'occupe de votre petit frère. Et il va parler. Et là. Prends les ballons maintenant. Ah oui. Bon, je disais ceci, bande nan no le bagué. Soto tiki mbo keke ka boye, biso nous ne tole la un jour. Bon, mindele bazo lite nan nenge mo ke mbo ka wana Congo, elongwa Congo. Ba sa la tout possible ke Congo elongwa. Et puis, ba comprendre ke ba Congolais, presque majorité nan biso to defende mbo ka, to defende nga ba ni na réseaux sociaux donc, to tiki la ka ko dénoncer. On ne va pas arriver sur les terrains pour combattre Bango. Ils ont compris ça. Et puis, ils vont continuer. Or, il fallait se mettre d'accord. Dans les politiciens, dans la population, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Bon, si on a l'attitude de la politicienne à Bissot, on va réagir. Ça prouve que je suis un peu troublé. Na pe ase mo na limete to foni mi na poto mi eza ba secteur to uti to kola ki na moninge secteur e komi et puis na moni ba politicien ba lekara na pe ba zo ko même pas ko lobelango et komi normal la mise na bango cela je confirme que on a un sérieux problème na moral mission ba place za la guinette po limete vraiment sur hotel ngo minele ba belge ils ont construit ça eza ki presque le même style que là ba paya ni Europe. Mais il mettait comme il le loco là. Bah quartier Mongoboé. Je ne sais même pas comment je vais vous dire. Je manque même le nom. Et puis, bah, trouver un normal, c'est que ça devient grave. Et puis, je ne vais plus citer le nom, mais. Botalara, nenge, bah, politicien. Ne va pas travailler. N'a habité, mais. Toi, bah, que tôt tard, mais sont tout au regretté. Biso tout à Congolais te regretter pour la mort à la biso. N'est ma camo tous on a n'est ce n'est pas tous on a n'est la sérieté. N'est tous à la même effort et singularité pour que tu trouves solution. Voilà la promesse de la vérité. La vérité est là que nous allons regretter un jour. Nous allons regretter un jour. Bon, je sens vraiment, j'exprime la négligence et ma casse. Et s'installer vraiment la maman mort à la biso. Donc, ton moment là, bon, ma mère, let's go blague, mon robot. Mais mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Let's go blague. Hein? Comment tu peux m'expliquer? Pays où on va utiliser, on peut agresser biso. Et biso, tu continuer à négocier na bango. Ça prouve que nous, on accepte basa la biso, ma mère. Quand je dis nous, on accepte, ça dit, ce n'est pas la population, mais bateau, basa, autorité, mon gars.
bazo négocier directement na peloko la Rwanda. Donc bazo li conseil que au Rwanda ça là ça peut profiter que na bango na ba rwandais. C'est logique. C'est logique. Ya on a le bamané on a je vous dis sincèrement pays wana c'est qui va payer ba rab Congo wana. Ceux qui ba propriété on za ba rab. Bon on mon no balinga ba sala. Bon ngai bon mon na ngai balinga ba sala. Bon non mon no balinga ba sala ba to ba déranger ba. Mais bon t'as la biche ba congolais hein. Je ne parle pas de la population parce que la population au Congo déjà c'est pas affaibli le Congo déjà. Ils ont mon anaké, basali affaibli. Déjà un, bah bon ils vont en parce qu'on même pas réagir. Bah ça la biche ma bé. Donc réaction comme mingara, on nous propose d'aller faire des marches moko bidon. Hein? D'abord nous sommes agressés, menacés. Bah autorité la biche soit disant bah autorité, bah politicien la biche va proposer nous bah marche moko. Ça n'a même pas de valeur, même pas de sens. Et on va continuer à faire l'espoir que non, la 2023, bien d'ici là, moi, bon. Moi je n'ai plus les, j'ai même plus l'intention de dire. Là, on doit se préparer moralement que, pour dire à mes enfants que je suis né dans un grand pays et le pays le plus riche. Mais malheureusement, compte tenu à négligence de nous, les peuples congolais, y compris dans un montant, un jour, on arrivera à perdre ce pays-là. C'est ça qui est en train de passer dans ma tête. Je ne le souhaite pas, mais dans ce monde, parce que. Gaïmon a reçu le remonté. Mais bon, t'as la belle forme dans ça. Parce que tous les jours, je fais un effet dans ça, au moins une fois. Même une fois, ne fût-ce que je prends ne fût-ce qu'une demi-heure. Pour parler à la réseau sociaux, pour expliquer, bah, on doit se lever pour défendre notre pays. Mais c'est comme si le message n'a pas été remonté. Je l'ai dit. Au moins, nous avons un cas d'aventure. Nous avons la France. Nous avons un français. Nous avons une politique dans les salama. Comportement dans le vis-à-vis du pays. Et il ne laisse rien au Italie Moka dans le bango. Mais quand il est dans le bango, il se donne vraiment sérieusement pour trouver une solution dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Où est-ce que concerné le pays dans le bango, il n'y a pas de blague. Mais bon, tu as la biseau. Bota la biso. Et l'autre moussou n'a rien à l'oba. Félix. C'est un Congolais. Félix, moi, n'a papa, tu sais qui est un Congolais. Le loyo m'a confié poste à la président à Congo. Mais bota la titi n'aï. Hein? Pourquoi vos esprits, à tout le monde, à l'oumoumba, à l'Nesso Mandela, à. Ba romsusu banani ba Fidel Castro ba tumsusu ba defana ba pays na mon. Pourquoi fait pas dire que non, je dois faire quelque chose pour l'intérêt à Moka. C'est foutu. Pourquoi peut pas le faire? Non. Mais bon, ba optalara ah, je suis là, c'est les ministres qui décident. Tant que moi je profite, bon, le minimum et ça la randing wana. Mais ça logique té bandeko. Et ça logique té. Ils ont des pays na yo au servir on a n'engamma mais parce que tu te laisses faire, tu te laisses manipuler, tu te laisses guider. Donc on n'y m'a que ben étranger pas la décision du colon yo. Hein? Félix a toujours continué au tina, bah généraux na biso, bah politicien na biso, bah qui nous négocie dans les pays locaux la Rwanda, Burundi, Uganda, bah pays où ils ont maltraité biso, bah pays où yo, bah ça les engagé par, bah mindele amabe. Pour venir prendre notre parti à terre, Nabiso. Pourquoi négocier avec eux? Pourquoi? Hein? Aux hommes qui ont un sens dans le monde, bien sûr, lui, il gagne l'argent. Mais bah, que, ce qu'il est en train de faire, mon gars, c'est rien à côté. Hein? Ce qu'il est en train de faire, mon gars, c'est rien à côté. Parce qu'un jour, on va écrire dans l'histoire que, grâce à lui, que le Congo n'est plus Congo. Pour moi, il y a une gravité. Malgré que lui, il est en train d'empocher des milliards dans le continent aujourd'hui. C'est bien. Mais si on prend Big Nafei au nom de on dit que non, c'est à cause de telles personnes que le Congo, les Congolais, ils ont perdu leur pays. Tu vois, ça restera éternel. Et les conséquences, ça collera génération à génération à génération. Même le nom de son père, ça sera insulté.
Nous devons on n'a pas les moyens la face dans la communauté internationale. Mais on peut quand même rester digne, ferme, mais non. Que vous avez des armes sophistiquées, vous pouvez même bouffer, tuer, mais on peut pas céder. On peut même casser, mais tu t'imposes, mais on est marqué, force, mais non. Bosolo bolingi me ngai pona mboka na ngala je préfère ki boya bomba biso. O mona même muta wa tia muto azo banga tai na biso te ka il s'impose. C'est comme ça qu'on peut on doit se faire respecter bani. Et ça mon ngote baneko. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce que j'ai mon non. Sambla na zoka passe na moté manane mona et ça nga mawa. Et ça nga mawa ke ba kongole ba komi lâche. Quand je parle les Congolais, c'est pas les peuples. Maintenant, c'est la politique. Il y a un pays qui est là. Maintenant, c'est soumettre. Pour les satisfaire, pour gagner une fille qui est là. Ça fait ridicule. Honnêtement, ça fait ridicule. Je préfère être né dans Zaliko, que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je n'ai pas gardé personnalité dans la dignité. C'est ça qui fait que je suis Ernest aujourd'hui. Ok? Ce n'est pas l'argent, mais ils allaient fermer dans la langue. Même s'il est grand comment, je préfère avoir touché famille. Tu me tues au bon mingai, que nazo respire sous terre. Là, tu peux jouer. Mais je suis vivant. À tous les ans, si pas comment. Normalement, je dois me faire respecter. Je dois protéger ma famille d'abord. C'est comme mon pays. Bon, moi, je n'ai pas l'argent pour faire face à la communauté internationale. Mais je me permets de dire ce qui se passe, de dénoncer, de dire la vérité que Minele, c'est la communauté internationale qui est en train de faire tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ok? C'est-à-dire, grâce à la communauté internationale, ils ont utilisé le pays de Rwanda. Rwanda, ils n'ont rien. Ils n'ont pas des armes, ils ne fabriquent pas des armes, ils n'ont pas l'argent pour nous faire la guerre pendant tout ce temps. Mais il est soutenu à 100% par la communauté internationale. Grâce à la communauté internationale, qui rend les pays comme Rwanda et tout ça, il arrive à avoir la force de nous agresser, ne pas agresser. Maintenant, si on a Félix, je parle de Félix parce que c'est lui qui est on l'a désigné comme président. Ce n'est pas par le peuple congolais. Par Minele Oyo Basalabisoumabe. Et j'essaie de comprendre, papa Nabouni pendant 37 ans, soit des autres défendre l'intérêt des peuples congolais. Et ça, ça ne demande pas ça beaucoup de politiques pour comprendre. Ceux qui t'ont dit que Bissonio sont congolais et nos politiciens, qu'on reste ferme, soudé, à Minele Bassala, c'est le roté. Malgré l'arme, on est obligé de négocier avec Bissot. Ce n'est pas à nous d'aller négocier avec eux, on ne va pas négocier. On a vu des films, on a mis des vidéos, on va piloter le Vietnam. Ils n'étaient pas plus forts que les Américains. Mais ils étaient déterminés, mobilisés, soudés. Vietnam était quand même honneur. Pour nous, c'est que nous avons une volonté. Volonté de nous abîmer. Volonté, il y a aussi la loi, il y a aussi sacrifier pour la nation. On a ces sacrifices. Je ne gagne rien. Mais je fais ça parce que je suis fier d'être Congolais. Et je reste toujours fier malgré que nous avons cédé. C'est ça qui fait la fierté des Congolais. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Je ne sais pas comment vous pensez. Mais ça. Aujourd'hui, Félix, il est fier, il est content, il est reçu partout comme président de l'Union africaine. Mais tant n'est pas dans le monde, tant n'est pas dans les tu es fier d'être président communautaire à l'Union africaine. Mais regarde ton pays. Comment ils ont massacré, comment le peuple va souffrir. Hein? Ça ne te gêne même pas. Hein? Bonheur aux oeufs, il y a le couta, bonheur, c'est ça, le couta. Bonheur, mon bidon. Parce que nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de plaire. La Congo. Hein? On est en train de souffrir, nous les Congolais, nous sommes en train de souffrir, mais notre président, il est président de l'Union africaine. Mais nous les Congolais de RDC, on est en train de nous tuer à l'est du Congo par les Rwandais, les Ougandais, grâce à la communauté internationale. Mais on a un président qui est en train de sillonner partout dans le monde
pour aller représenter l'Union africaine. Mais regarde nous les Congolais comment on est en train de souffrir. J'ai même pas envie de parler en français parce que tout le monde est au courant. Ils sont en train de voir ce qui se passe chez nous au Congo. Tous les pays du monde ils voient comment on est en train de faire punir les Congolais, en train de violer des femmes congolaises, en train de nous assassiner. Mais personne ne parle. Hein. Personne n'ose de faire quelque chose pour nous. Hein. C'est pourquoi ça ne nous donne même pas envie de faire toutes ces missions en français. Je préfère dire ça à Lingala. Vous pouvez parler à mes frères congolais. Oyo. Et comme un moment où nous sommes congolais, tout se mettre ensemble. Moment où nous sommes congolais, nous sommes congolais, nous sommes congolais. Tout ce souvenir et injustice, nous sommes congolais, nous sommes congolais. Si je l'ai dit parce que je vis dedans, on est en train de le vivre. Nous sommes en train de subir l'injustice, nous sommes congolais, nous sommes congolais. Ne croyez pas que Mindel va faire un cadeau. Il va faire un Congo. Il va subir. 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 Yamoni, et ça la mawa, mon cannabis est toujours livré librement, gratuitement. Hein? Et pas à Mindele. Ça fait mal au cœur, Bani. Ça fait mal au cœur. Moi, je vais dire, hein, les politiciens, ils gagnent l'argent au Bassala. C'est bien. Vos familles vont vivre bien, mais vos consciences ne vivront pas bien. C'est ça la différence. Physiquement, vous allez vivre bien, mais intérieurement, vous ne vivrez pas bien parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vendre le pays. Comment vous allez voir toujours le courage à soutenir Bato Basalabi Soumabé? Comment peut-être qu'aujourd'hui je vois Félix, il est en train de collaborer dans le président à Rwanda, même l'Ouganda? Comment? Mais quel courage ça a? Hein? Comment vraiment, comment on peut expliquer ça? Comment je peux expliquer ça? Jusqu'au jour où tu as dit que l'agresseur numéro 1 à Congo, c'est le Rwanda. Mais on voit notre président, ou comme président, il est tout le temps proche du Rwanda, en train de négocier, de chercher, c'est pas quoi. Va expliquer. Va expliquer, ma théorie, mais moi, personne ne peut pas m'expliquer ces bêtises-là. Ok? Je ne sais pas si tu es un peu plus agressé. Et moi, je vais être gentil avec lui. Même si tu es un peu plus même si tu es un politique, dynamique, tu es un peu dynamique. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est devenu lâche. C'est tout. Ils ont dit lâcheté, ils ont dit lâcheté. Ce n'est pas le peuple congolais qui a diminué. Mais le biso, il a toujours joué dans la scène politique. Si vous manquez les moyens, il y a la personne de moyens d'aller moko. Essayez de réunir tous les peuples congolais. Bah, on pèse à bino force. Ce moment que le peuple est tout à la cima à bino. Et vous voyez, si la communauté internationale, nous ne sommes pas d'accord. Bino, nous sommes la politique, nous sommes tous la politique. Nous ne sommes pas d'accord face aux traités de la Congo. Bino, nous sommes tous dans le Rwanda. Nous sommes tous dans le pays agressé. Il faut que vous arrêtez. Bah, nous sommes tous dans le monde. Donc, quand on a dit que nous sommes dans ces pays, non. Parce que moi, vous êtes soudés. Pourquoi vous avez la moitié? Pourquoi vous avez la moitié? Au lieu de vous avez divisé, vous avez divisé, vous avez marché dans le monde, vous avez échangé au profit de notre pays. Parce que la division que vous avez créée, vous avez créé force sur la communauté internationale et vous avez Rwanda, vous avez divisé. Vous avez divisé. C'est ça. Or, entre vous, un vrai leader organisé a récupéré force dans la Simanae. Pour attendre, il y a un peu de et tout le monde va le baloba, peuple se protéger. Hein? Mais bolingi bongote, bolingi a bossé à l'eau, moko, bo touche à bambon, on a bien nos boliaka, bossomara. Dans le bina, physiquement, vous allez vivre bien, mais moralement, vous avez une dette morale envers le pays, envers nous les Congolais. Commencez par moi qui vous parle ici. Je ne suis pas content avec vous. Dans un essai, on a bien noté.
Non, ça l'assemblée te. Et puis, moutou mou ta rare au lait sangai. Mais il dit que vous avez empêché de vivre bien dans la poteau, même dans le Congo. Oui? Tiens, tiens. Petit a dérangé ngai. Nous avons obligé à mon quatre émissions pour petit, il faut servir petit ngai. Petit ngai mobile à mouquier, mon antoukan ngai. Allez là. Mais moi, j'essaie de défendre le pays. Il y a où tu as bien Congo. Ils ont faute na été. Ils ont faute car il y a politique en moque. Pour ce politique en moque, ils ont une petite botte na pongote à la poto ta botte na Congo. Tiens. Tiens. Ça bloque. Tiens. Allez. Allez, allez, allez. Bon, Maneko, je suis désolé. Je vais prendre les... Viens. Bon, ok, Maneko. Je m'excuse, hein. Na tie vidéo na sans souba. Respect à petit. A sengite na Alexis na rata direct. A zala mo na mouke. Pour la rocola et papa, pourquoi tu m'as fait passer le direct? Na respecte, on a tie vidéo côté moussou. Mais na gne se bino ake. Et ça la passe na mouté ma. Manière d'autorité qu'à payer dans moins cher. Surtout l'autorité à mon cannabis. Bye bye, mais ça là. Bye bye, qu'un jour, bah, on fout un rond. Dans le moment là, bah, ça bien, bah, je dis à mon pays, bah, elle vit, ma famille vivre bien, mais bye bye, qu'un terrain, bah, on vivre bien. Pour ça, c'est rien que mon cannabis à payer le roi au Congo, tout est quand on est autorité que ça, on est moins. On les vend le pays pour que bah, tout le monde vivre bien. Or, nous-mêmes, on a besoin de vivre bien, mais malheureusement, on ne nous donne pas cette chance-là. On ne nous laisse pas la vie, les moyens de vivre, de profiter de notre pays. Comment Félix, jusqu'aujourd'hui, à ce qu'on prenne, il ne faut pas qu'il continue à traiter avec les pays où il a agressé le pays. Hein? On le voit très bien qu'il est toujours derrière Rwanda, en train de négocier. Négocier quoi? Nous savons tous que c'est le Rwanda qui est en train de nous massacrer aujourd'hui. À cause, c'est pourquoi? Parce que la communauté internationale il a confié mission au massacre Bissot. On a des journalistes étrangers basolo bamakamwana à Congo. Bah, expliquant clairement noir sur blanc que c'est la communauté internationale qui est à la base des souffrances des peuples congolais. Bah, prouver on a toutes les façons. Mais bah, congolais mususu, je ne parle pas des peuples oyo azalis humilié. Bah, autorité na Bissot, non bah, politique na Bissot. Bazon n'a même pas le bailango, qu'on dire, d'expliquer ça clairement au peuple congolais que autres vivre, ils allaient effort à la communauté internationale, ne pas tenir Rwanda à Salabiso Mabe. Et puis, pour tout réussir, il faut trouver Salabiso Mouli Loba Moko. Qu'on se met tous ensemble pour dire non à la communauté internationale, qui a arrêté d'envoyer Rwanda, Burundi, pour venir détruire le peuple congolais. Bazon n'a pas le bailango. Oui. Allô? Moi qui vous parle ici, na fois na mort amené les bandeko, bonjour ben juste zo subir na poto. Est-ce que vous voyez bien vraiment? Est-ce à niveau administration na bango? Est-ce à niveau de justice na bango? Makamo et talibi sont africains, surtout si tu es noir. Min zora likamuna mineleko na niveau nyoso, au moins au mieux que la mawa. Au rêve magination na lamboka, mais au la mboka nini? Na mboka nini oyo ba Félix na ba politiciens susu baza ko sédé na ba mboka po bomba ko ba riche. Ozongila wapi? Tozo mona passe ben justice moko ya ko sakalate. Humiliation moko ya somo. Oyo sala biso ke ya moko ozongi pena na boza fisro fandi boti. Ma mi spe bi mi opangu so bi merde. Ah na po to mona passe. Na mboka na biso to mona passe ko to vivre wapi? Do po so mi kufila. Poisson au mi couffé la peine au mi bon mission mais on a na mais la table poisson a couffé la tique à mon kilango mais ça solution c'est parce que aux ans la banne bas ça a besoin qu'on vivre pour pas vivre. Vous imaginez à quel niveau beaucoup missions ils sont, hein? Ya on a l'oubli, en tout cas on a l'oubli comme moi avec beaucoup de regrets vraiment que bah politicien c'est bien beau son mongo beau collaborer na paye au mon bisou beau comme ma riche tant mieux mais beau et bah qu'un jour histoire va attraper bino. L'histoire qu'on a attrapé, c'est un crime contre les Congolais.
parce que bosala ba moyen yo so boko sala ke bo trouver solution même tala tolo ba ko soko mi respecter te mutu pa respecter ce que tu te montres que tu es faible mutu pa a osakana na yo ce que le mindel ba osakana biso parce que ba moni ba autorité na biso ya Congo baza ba faible. Ils n'ont pas les moyens de faire face na bango. C'est ça la vérité. Hein? Ceux qui ont montré qu'ils étaient fermés, bah où ça va na bango te? C'est simple. On est un pays, tout ça dans la population. C'est qu'est-ce qu'on dit bon, on va se mettre tous ensemble. Bah ça le bango bah lingi marqué bah armé na bango mar. Ils doivent nous respecter. Tu es pour s'imposer n'importe. Mais tout ça on a monté na monta que nous sommes la part naie. Monta monta que nous sommes la part na n'engue naie. Donc, nous avons négocié. Comment tu peux envoyer les gens d'aller faire marche pacifique dans le moment où ils ont massacré les gens dans le monde? Vous avez dit que vous avez dit mais quand tu dis aller marcher, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit marche. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez au moment où tu vas aller dans l'Est, tu vas violer les gens dans le monde, tu vas matraquer les gens dans le monde. Toi, tu dis que. Vous allez sortir tel jour pour aller faire des marches silencieuses, pacifiques, pas faire des désordres. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade. Quand on voit un soi-disant chef de l'État, il est toujours proche d'un président pays Oyo, alors qu'il a armé pour venir nous agresser. C'est un malade aussi. Hein? Quand je vois nos politiciens qui se donnent du mal d'aller négocier dans Batouana, bon ça la pitié hein. Franchement bon ça la pitié vraiment toloba ki mindele soki ba lingi ba ya ko open négocier ba entre les deux pays tobi non au bon ça l'étage to mon onti j'étais gamin toi on avait même pas 20 ans quand il y avait la guerre des golfs en 1990 on était encore à l'école toujours mon anenge presque ba armée nyoso ba ki combattre pays moko hein pourquoi ba sauver nini Koweït. Parce que Saddam Hussein avait occupé Koweït. Tout le monde est américain, français, anglais, pays nyoso, c'est une coalition là-bas pour aller agresser Saddam Hussein. Mais les lots Oyo, Rwanda, Burundi, ils ont agressé Bissau. Pourquoi on peut se voir un exemple Rwandaise? Parce que Boyebi est au Luka. Au Bosolu, c'est pour l'intérêt en Mokana Bissauté. C'est ça la vérité. Hein? Parce que nous, on regarde. Ça passait même à la télé. Comment tu filmes tout à l'heure avant d'aller à l'école, on regardait ce qui s'est passé dans l'Irak. Hein? Tout ça, l'Irak a été menacé, bombardé par quoi ils sont américains. Autant ils ont attaqué l'Irak dans l'Irak, on s'en a été pour l'année parce qu'ils ont envahi Koweït. C'est même pas Bolinga raté. Vous êtes content là au Bosala. Bon, affaibli peuple congolais, bon, comme si peuple congolais, zoba. C'est bien, papa. C'est bien? Oui. Il est où? Vous voulez rentrer? Où est Nathalie? Elle est là, on ne peut pas rentrer. Il est là? Il est où? Elle est là. Bon, reste avec, voilà. Attends, papa. Ça, on a besoin. Non, là. Mais c'est pété? Après! C'est oui, c'est René qui l'a fait péter. Bonjour, comprendre. Et ça dit direct dans ça, là, il est sémoté. Ce n'est pas pour chercher l'argent, mais pour essayer de dire la vérité na batu oyo, ba sa m'amna ko, surtout nos politiciens aussi. Ba yebi nyon se zo leka. Ba sa la ba solution na m'amtu leka la Congo, mais ils n'ont pas envie de faire des efforts. Ils n'ont pas envie de faire des efforts par rapport. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent que maramoza la nengi wana. Oh. Et les Nelson Mandela, comment ils ont fait? Hein? Bah, Fidel Castro, comment ils ont fait? Hein? Fidel Castro, il a tenu la tête contre les Américains. Ils ont mené à Bomie. Hein? Au moins, il y a besoin d'amour en Mokana, il y a besoin d'amour en la politique pour faire pied biso en Afrique. Mais il ne peut faire la politique pour se défendre face à Bango. Hein? C'est simple à faire ça. Bah on va faire la politique pour n'avoir pas au pied biso. Biso peut tout ça la politique pour tout se défendre face à Bango. Et là, mais vous ne faites pas ça pourquoi? Hein? Nazo tout n'a pas, vous ne faites pas ça pourquoi?
européens ont la politique pour venir payer l'Afrique. Et ils sont africains, ils ont la politique pour se défendre contre les bangos. Parce que les agresseurs, ils sont les envahisseurs. Hein? Ils ont créé une force, ils sont bon. Le col bango maligno considéré bisoté, faisons barrière. Et on les cas parce que on est bangaké. Bango ne bazar quoi agresser bisou en Afrique. Bolingité. Si je sais que bateau bali bosso na ba ma casse. Na ko lukapé force alternative, ça dit technique là bisso na ko benga bande ko no sauver. Non, bo ya bino so, bo sala sika mo to, sala sika mo. Bo to tire mais la bateau. Rwanda est wana osala folie. Na ba minerai na biso. Mais bota la biso ba congolais to toujours en abloa rolia. Toujours en nenga revivre, to kufa pamba pamba. Na ba conditionnement ya atrocité. Ils ont lobé là-bas, ma politicien souhaitait le remorquer. Ils ont même le remorquer. Ils ont le remorquer. Donc ils font comme si rien n'était. Donc parce que mon gars, c'est normal. Na wa kanda mo sakanate. Je suis en colère. Nazoga kana mais ça me fait pitié parce que je me sens tout seul. Charles Onana, c'est un journaliste français d'origine camerounaise. Il a tout expliqué ce qui se passe dans notre pays. Il a expliqué la complicité des communautés internationales sur notre pays, comment elle est en train d'envoyer les pays de l'Est, la Rwanda, Burundi, pour venir agresser notre pays. Mais les mecs, la question, vous ne considérez même pas. Non, je ne sais pas. Dans un repos médical, mais je me permets de dire des choses où ça va passer. Ok? Dans un repos médical. Contenir mon salon en salle. Dans une réponse médicale. Ils ont une fin de mère, une réponse médicale pour qu'il y ait conçu le corps dans la bien. Pour que je commence à travailler de nouveau bien. Mais je parle de mon pays. Enfin, au moins, Moutouko, soit il y a un point faible, il va continuer à jouer sur ça. Même si tu fais semblant, il va toujours utiliser le point faible que non, le messie, il est faible à ça. Et lui, il va s'accrocher là pour te nuire. N'aimine pas de nuire, Bissot. Bah, lui, point faible, Bissot, on ne sait pas se organiser. Tu es bien, on s'est inerté. Donc, il utilise ça et ça marche. Toi, tu crois que si je suis gentil avec. Non! Le boss à la maille, les collègues à Moutouan, bon, dans ça, là, parce que je suis plus intelligent que lui. Je vais faire c'est ça et ça va donner ça. Mais si tu es limité, ça ne sert à rien. Il va te massacrer comme il veut. Hein? C'est dommage, hein? C'est dommage. C'est dommage vraiment. Et ça, ça passe l'année. Okay. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? C'est dommage. Quand tu aimes ton pays, tu es prêt à se sacrifier pour sauver ton pays. Mais quand tu n'aimes pas ton pays, tu vas le solder. Comme on voit aujourd'hui que nos politiciens sont en train de solder notre pays parce qu'ils n'aiment pas ce pays-là. Mais c'est l'argent qui l'intéresse. Ils ont mon, mon. C'est l'argent qu'ils sont en train de chercher. Parce que Moutoua est à la famille, il est prêt à tout pour sauver son pays. Ils ont mon nana. Nous on a regardé, mais comment expliquer un petit pays comme Rwanda? Ça fait 20 ans agressé Bissou. Avec les reculs, on a compris bien. La force, ça vient quelque part. Ils sont soutenus par d'autres pays, les plus forts du monde, qui ont été pour nous faire du mal. On a compris et on a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que ça batte, on a soigné. Mettons-nous tous ensemble. Tout se mettre ensemble, tout ça, les forces, il y a Bissou Congolais. Et ça va marcher. Et ça, la Bissou peuple et les politiciens. Tout ça, les blocs, les bisous, mon gars, tout est le même, les bangs. Ça va, et relaxer, mon thème, ma belle, en haut publiquement, ils n'ont plus les moyens de faire. Mais vous ne voulez pas le faire. Je suis là pour l'appétit, mais je suis là pour l'appétit.